Durant cette année magique, Hélène découvre un pays nouveau, peuplé d'écrivains et de mots. Chaque livre est une boîte à trésors. Elle veut habiter ce monde qui était là, devant elle, à portée de main, et qu'elle ne voyait pas. Bonsoir à vous et bienvenue pour cette nouvelle bibliothèque Vagabond. Nous sommes au Welgoat dans le Finistère, dans le cadre de l'ancienne école de filles, devenue depuis 2009 un espace d'art. D'ailleurs, nous sommes entourés par des œuvres de Marjane Satrapi. Cette école, son histoire, son village ont beaucoup inspiré notre invitée. Bonsoir Claire Léost, merci Bonsoir. Beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre second roman, Le passage de l'été, qui a été publié chez Lattès, a été récompensé par le prix Braise 2021. Il se déroule ici en quelque sorte, même si jamais vous citez le nom du Welgoat, pour quelle raison cet endroit ? Alors en fait, moi je ne suis pas originaire d'ici, je suis originaire plutôt de Quimper et de Brest, mais j'ai eu un coup de foudre pour cet endroit qui pour moi symbolise la Bretagne dans tout ce qu'elle a de complexe, puisque c'est à la fois un village qui est entouré par la forêt et qui est cerné par les rochers, donc il y a une dimension mystérieuse, presque mystique ici, et c'est aussi le lieu où se trouve cette fameuse école des filles, qui est une ancienne école communale pour filles qui a accueilli des générations et des générations de petites filles pauvres de la région et qui a été un lieu d'émancipation pour ces jeunes filles. Alors l'émancipation, l'apprentissage, hein, c'est vraiment un roman d'apprentissage qui s'ouvre avec un double enterrement assez mystérieux. On va comprendre au fil des pages qui s'est déroulé autour de trois héroïnes que l'on suit entre 1945 et aujourd'hui. Trois destins de femmes, qui sont-elles ? Alors on a d'abord Hélène qui est lycéenne ici au village du Bois d'en Haut qui passe son bac français. Elle est promise à un destin tout tracé puisqu'elle doit épouser son meilleur ami Yannick qui est aussi du village et devenir institutrice comme sa mère. On suit aussi sa prof de français Marguerite qui elle arrive de Paris, qui est une femme très chic, très élégante, enseignante à la Sorbonne. Donc on se demande un peu ce qu'elle est venue faire dans ce village et ce qu'elle est venue faire un peu dans cette galère. Et ça, évidemment, on va le comprendre tout au long du livre. Et enfin, on suit le destin d'une petite fille qui s'appelle Odette, 50 ans plus tôt, donc dans les années 40, au moment de la guerre, qui est élève dans cette école des filles et qui va être obligée de fuir le village à cause de la guerre et de la misère. C'est une histoire d'émancipation, hein, vous l'avez dit, notamment grâce à l'école, dans cette école de filles dans laquelle nous nous trouvons. Quel a été, selon vous, le rôle de l'école en Bretagne ? Alors ça, c'est vraiment un sujet qui m'a toujours fascinée, c'est le miracle scolaire en Bretagne, puisque c'est une région qui est partie du début du XXe siècle d'une misère noire, avec une population qui parlait à peine le français. Et en moins d'un siècle plus tard, on a une région qui est très dynamique sur le plan scolaire, avec une académie de Rennes qui a les meilleurs résultats au bac en France. Et ça, c'est vraiment lié à l'école, à la concurrence entre l'école privée et l'école publique, à l'accent qui a été porté sur l'enseignement. Et aussi parce que comme c'est une terre où finalement il n'y avait rien d'autre, le seul moyen de s'en sortir, et notamment quand on était une fille, c'était l'école. Au cœur de cette histoire, il y a l'école, mais il y a aussi cette question du lieu d'où l'on vient. Hélène, pendant cet été où elle quitte son enfance, découvre une nouvelle aspiration, celle de peut-être partir de où elle a grandi. Et son amoureux, évidemment, Yannick, ne la comprend pas. Est-ce que partir, c'est trahir ? Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Est-ce que partir, c'est trahir ? Est-ce qu'on a le droit de revenir quand on est parti ? C'est un peu le problème des migrants en général, c'est qu'on devient un peu apatride puisqu'on n'est plus vraiment du pays d'où on vient et on n'est pas non plus du pays où on arrive. Donc on est... Entre les deux, la génération justement de vos parents a vécu ça, ils ont quitté la Bretagne. Pour vous, la Bretagne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente ? La Bretagne, c'est la terre de mes ancêtres, c'est là où sont enterrés mes grands-parents, mon père, donc c'est vraiment mes racines. Et pour moi, c'est très important, les racines, l'ancrage. Et en même temps, j'ai un rapport d'amour-haine, un rapport un peu douloureux, puisque c'est vrai qu'ici, je ne me sens pas complètement chez moi. Et puis quand je suis loin, j'ai envie d'être ici. Donc, comme beaucoup de Bretons, je suis un peu apatride et un peu entre deux terres.
Merci beaucoup. Alors c'est le moment à présent d'ouvrir le tiroir des jeunes lecteurs. Et dans ce tiroir aujourd'hui, à l'image de votre Hélène qui découvre qui elle est vraiment, voici des livres sur l'identité. Comme ce petit écureuil né sous les couleurs du Morlaisien Olivier Talec et qui se dit que personne ne rêve d'être un écureuil et qu'il ne veut plus en être un. Il préfère être un castor, un cerf, un hérisson. À moins que finalement Écureuil ce ne soit pas si mal. C'est un très bel album dans la collection Pastel de l'École des loisirs. D'ailleurs, les écureuils sont roux, un peu comme cette sublime robe qu'adore porter Marin. Une robe qui bruisse, se plisse avec des chaussures qui font clic-clic sur le sol, sauf qu'un garçon, ça ne doit pas porter des robes, lui expliquent les copains de l'école qui le rejettent, jusqu'à ce que l'imagination de Marin bouleverse leur certitude. Un très beau livre sur la différence de Christine Ballacino et Isabelle Malenfant, publié aux éditions Rennaises Guater, avec une version aussi en breton. Et enfin, toujours chez Guater, ce petit album féministe plein d'humour, de la brestoise Anne-Gaëlle Morizur et de la rennaise Florence Dolé. Tata a de la barbe sous les bras. Cette tante est vraiment trop forte, elle joue au foot, elle conduit des tracteurs, mais elle a du poil sous les bras. Et pas moi, s'inquiète son neveu. Claire Léos, quelle place tenait justement la lecture pendant votre enfance? Est-ce qu'il y a eu des livres importants? Oui, c'était une place très importante justement parce que alors mes parents étaient profs, donc pour nous l'école c'était très important. On passait tous nos étés en Bretagne et souvent il pleuvait, donc on s'ennuyait beaucoup et donc la lecture occupait vraiment une place centrale. Donc j'ai lu un peu tout, Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, Comtesse de Ségur. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, c'est Les quatre filles du docteur March, parce que je m'identifiais beaucoup au personnage principal qui justement veut s'émanciper, veut écrire et vivre sa vie. Et bien poursuivons la discussion avec notre grimoire à confidence que je vous invite à attraper dans la bibliothèque et à ouvrir. Alors avec cette première question, magazine ou roman, donc dans une autre vie vous êtes présidente depuis septembre de Prisma Media, donc leader de la presse magazine en France. Lecture de magazine, lecture de roman, quelle différence vous y trouvez? C'est dur parce que c'est mes deux passions. Donc là, c'est comme si vous me demandiez de choisir entre mes deux enfants. Donc c'est difficile. Magazine, c'est la variété, c'est le lien avec l'actualité. C'est vrai que moi, je suis assez accro à l'actualité, à ce qui se passe. Et donc, j'aime bien le côté un peu jetable du magazine. C'est-à-dire que toutes les semaines, on le fait, on le refait. Et le roman, c'est très différent. C'est le temps long. C'est des émotions qui vous marquent parfois pendant toute une vie. Donc c'est, je dirais, le temps long et le temps et court. Le temps court. Je vous laisse attraper le petit papier suivant. Fiction ou autobiographie. Quelle part de vous vous instillez dans vos romans? Quelle part de fiction par rapport à la part de biographie? Comment est-ce que vous procédez? Je pars vraiment d'une émotion que j'ai ressentie, par exemple, et que j'ai vécue. Par exemple, Sciences Po, c'était l'arrivée à Paris, la découverte de Paris pour une jeune fille qui arrivait de province ou de banlieue. Le passage de l'été, c'était la mort de mon père, et donc les sentiments que ça peut entraîner. Donc à chaque fois, je pars d'une émotion, et je pars aussi d'un lieu. Donc pour le premier roman, c'était Sciences Po, c'était un triangle de trois rues de Saint-Germain-des-Prés. Et ici, évidemment, c'était ce village du Huelguat. Et après, je me laisse porter par mes personnages et par la narration. Alors, c'est le moment d'ouvrir maintenant le tiroir des libraires. Aujourd'hui, c'est Ella Sora de la librairie La Nuit des Temps à Rennes qui partage avec nous son coup de cœur. Alors moi je voulais vous parler du roman Apaiser nos tempêtes de Jean Egland, qui est un roman qui traite de la maternité. On va suivre deux femmes qui vont tomber enceintes en même temps et qui vont faire deux choix complètement différents qui va les suivre tout au long de leur vie. C'est un roman puissant qui dévaste, qui nous prend aux tripes et qui nous marque au fer rouge pendant longtemps. Poursuivons avec notre rubrique quatrième de couverture. Le Brétilien Philippe Gerin nous présente son second roman. Je suis Philippe Gerin, j'habite près de Rennes et je viens de publier mon troisième roman, La mélancolie des baleines, aux éditions Actes Sud Gaïa. Et mon précédent roman, Les voyages de Komka, vient de sortir également en poche. La mélancolie des baleines se déroule dans les paysages de l'Islande mystérieuse et sauvage. À la suite de différentes coïncidences, les personnages qui ne se connaissent pas entre eux vont converger vers une maison bleue qui surplombe une plage de sable noir, là où viennent s'échouer
des baleines devenues vulnérables. Alors chacun des personnages fait face à une disparition passée ou à venir, mais aucun d'entre eux n'a renoncé ni à la bonté ni à la beauté du monde. Une nuit de tempête, ils vont faire l'expérience d'une fraternité nouvelle et au matin, tout aura changé pour eux. À travers ce roman, je voulais traiter de la question de la disparition, qu'elle soit intime ou plus globale, la disparition possible du monde tel que nous le connaissons. Je questionne ce qui reste devant nous, ce qui reste à accomplir pour imaginer un avenir décent, notamment à travers l'attention que nous devons aux autres, aux territoires et à toutes les vies qui les peuplent. J'ai renoncé à 1000 autres occupations. Si on ne porte pas attention aux choses, on ne peut pas les voir réellement. Les roches, le sable, la terre, l'eau, le moindre lichen, tous portent les stigmates des temps passés et annoncent les désordres à venir. Je me recharge à leur contact. J'écoute le temps. Je suis à ma juste place. Et vous, Claire Léos, quel livre fétiche nous avez-vous apporté ? Alors, aujourd'hui, j'ai choisi le Musée de l'innocence de Orhan Pamuk. Donc, Orhan Pamuk, c'est un écrivain turc. Et ce roman, c'est vraiment le roman de l'amour total, puisqu'on suit les déambulations d'un jeune homme qui s'appelle Kemal, qui doit épouser une jeune fille de la bonne société stambouliote qui s'appelle Sibel. Et en fait, il va rencontrer une cousine éloignée qui s'appelle Fusun, et il va tomber éperdument amoureux, et ça va faire dévier complètement sa trajectoire de jeune homme qui était promis un avenir tout tracé, et on le suit pendant 700 pages qui sont complètement hypnotisantes. Merci beaucoup Claire Léos, je vous laisse le confier au rayonnage de la bibliothèque. Merci d'avoir été notre invité. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil du côté du tiroir des rendez-vous avec cette rubrique préparée par notre partenaire Livres et Lectures en Bretagne. Monde merveilleux, histoire de fées ou de lutins, de légendes et de magie, avec une 19e édition intitulée Fantastique, le salon du livre jeunesse du pays de l'Orient vous entraîne dans le monde de l'imaginaire dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Un univers un peu similaire à l'honneur avec Les Enchanteurs, le festival du livre médiéval et de l'imaginaire qui se déroule également ce week-end à Château-Giron en Ille-et-Vilaine. La magie et la sorcellerie prendront le pouvoir. Week-end décidément bien rempli puisque Pont-l'Abbé propose aussi un rendez-vous littéraire gratuit. Le salon Bigoudin du livre avec 70 auteurs invités et un concours de nouvelles. Enfin, notez que la journée dédicace du salon du livre jeunesse de Ploufragan se tiendra le 11 décembre. L'occasion de rencontrer une vingtaine d'auteurs qui auront sillonné les écoles des environs de Saint-Brieuc les jours précédents. Voilà pour ces rendez-vous. Prochaine halte de la Bibliothèque Vagabonde, ce sera le 7 janvier avec la romancière costa-armoricaine Fabienne Juel. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour retrouver toutes les références des livres dont nous vous avons parlé. Les spectateurs d'Iroise retrouvent maintenant leur journal local. Et moi, le temps d'un générique, je vous donne rendez-vous pour Supplément d'art.